ici, j'ai peint un petit garçon qui souffle comme dans ces jouets que tu as quand t'es gosse pour faire des bulles et qui crée des nuages. Et puis l'idée, c'est que ici, mon œuvre, elle interagit toujours avec l'environnement et je me nourris de l'environnement et l'œuvre se nourrit de l'environnement, il y a un peu des deux. Et du coup, je dois créer une vraie synergie entre l'œuvre et l'espace autour et l'esthétisme, je dirais, du lieu. Ici, c'est aussi connu pour avoir plein de nuages. Et du coup, j'ai utilisé ce lieu-là pour cette réalisation et j'ai fait le lien avec les nuages, l'enfance. Et puis finalement, si je dois le connecter aussi à l'actualité, parce que c'est aussi ça que j'ai voulu faire, je crois qu'on est dans un moment qui est hyper pesant et on a besoin un peu de légèreté. Et je crois que les nuages, c'est aussi un peu le rêve, l'imaginaire. On a toujours été, quand on était gosse, imaginer des formes dans les nuages, etc. Et je crois que c'est aussi un moment où on doit respirer et aussi, avec légèreté, réapprendre à créer, par la rêverie, je crois, le monde de demain.